Salut Michou la Pichou Ninos, comment vous allez? Je vous fais tous un gros bisou à tous mes abonnés. Tous mes abonnés. Donc si tu veux un bisou, abonne-toi. Sinon, mes cafardinos, aujourd'hui on va se faire une vidéo sur la communication, sur mirage, anglais-français, on va essayer. Donc là, ici, c'est T-Base. T-motherfucking Base, T-Spawn. Voilà, il n'y a pas de souci. Là, c'est salle télé. TV Room. TV Room, salle télé. Hop. Donc là, ça va être mid. Donc top mid, poubelle. Pardon, j'espère que vous allez me dire à tes souhaits dans les commentaires, on va pas se mentir. Sinon, bah là c'est poubelle, là c'est green, green ou top mid, ça se dit aussi. Donc ici c'est en anglais c'est Delpan, et en français c'est Uzi, 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 Uzi. Donc là c'est connector, connector, transfert, link. Connecteur link, ils comprendront en anglais et en français aussi, on va comprendre. Transfert aussi, ils comprendront, c'est un mot un peu transparent. Donc là, c'est corniche, donc short, short ou catwalk. Donc là, c'est ladder room en anglais et ici, c'est P2. Voilà, donc P2. P1, c'est pigeot 1, P2, c'est pigeot 2. Donc à la base, c'est P1, P2. Mais sinon, c'est pigeot et pigeot 2, P2. Voilà, c'est devenu P2. Donc là c'est carré, donc là c'est corniche, mais là c'est déjà passé carré en fait. Quand on dit ça passe corne, faut être un peu précis sur les infos. Ça passe corne, c'est que ça passe ici. Quand c'est passé là, c'est passé carré déjà. Donc ici c'est carré et en anglais c'est Edward. Donc ici c'est Edward, voilà, toute cette pose là, Edward. Donc là c'est EDF, parce qu'en fait avant sur source, ici c'était un carré électrique, c'était un bloc électrique. Donc ici c'est EDF en fait, cette pose. Sous la window, voilà, un window, sous la window, donc beneath window. Ça se dit en anglais aussi. Donc là c'est BP. Ici ça va être default. Donc quand quelqu'un est ici, default ou défaut ou standard. Voilà, vous pouvez le dire aussi en français, en anglais. Tout le monde comprendra. Cette pose là, hop, ici c'est Pacha. Ici c'est Forest. Parce que c'est Jésus, frère, sous cette pose. Il a tout niqué sur 1.6. Donc c'est resté Forest. Si vous le dites, ils comprendront. Sinon vous dites Bench. Et voilà. Ban ou Forest, tout le monde comprendra. Ici c'est Taco. Donc cette pose là, la pose là ici, c'est Taco. C'est à dire que le mec qui est ici BP à la base et qui recule ici faire des kills, après il est là. Ici c'est Taco. Là. Ce carré c'est Taco. Donc là c'est Car. Ici c'est Area. Donc cette pose en français c'est area, en anglais vous dites balcony, ils comprendront. Donc ici c'est B-room, voilà, B-room. Ici on appelle ça frigo, en français c'est frigo ou pas kitchen parce que c'est une cuisine, mais la kitchen c'est ici, d'accord. Ici c'est frigo, ou si vous dites cuisine B, ça se comprend en français. Big kitchen, vous pouvez le dire en anglais, je pense que les gens comprendront. Donc ça c'est XTB, stairs, room B, voilà, les gens comprendront. Donc escalier, donc là c'est underground, underpass, voilà, les gens comprennent, under, c'est under de toute façon ici. Donc voilà, donc ça c'est pigeot ou window, bon, en anglais c'est window. Là c'est jungle, voilà, la jungle c'est ici, voilà, cette pose là c'est jungle. Ça maintenant c'est devenu la jungle. Ici c'est stairs, escalier. EDF aussi, moi EDF aussi, pourquoi? Parce qu'avant il y avait un bloc électrique là aussi sur lequel on montait en fait sur source. Ici c'est sandwich, voilà, sandwich ou C2. Pourquoi C2? Parce que C1, C2, voilà, C1, C2. Donc sandwich ou C2 en français, tout le monde le comprendra. Sinon vous dites sandwich tout le temps et tout le monde le comprendra. Ici c'est C1 en anglais, en français pardon. En anglais c'est Tetris. Pourquoi? Parce que c'est des caisses, voilà, on peut monter dessus, c'est Tetris. Ici c'est Kali. Ce cheater, il a encore une pose, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc ici c'est Kali, donc cette pose là ici. Il mettait des zougous ici, donc tant pis. Ça c'est Taz en français, sinon c'est Shadow en anglais. Ici c'est Get Right. Get Right, ici, voilà, tout le monde comprendra. Ou Ninja, en anglais les gens disent Ninja. Et ici c'est Anti-Get Right ou Anti-Ninja, ils comprennent aussi. Cette caisse là, c'est 5 ou Default, en anglais, Défaut.
standard. Si vous dites standard, un standard, tout le monde sait que c'est ici. Le mec est là et il joue avec la caisse. Voilà. Un défaut, un standard, un 5, ça se comprendra aussi. 5, pourquoi? Parce qu'avant, sur source, il y avait une caisse de. Il y avait une grosse caisse ou 5 caisses s'empilaient. Ici, c'est fire. Voilà. En anglais, c'est firebox. En français, c'est RPK. Ah, ici c'est RPK, pourquoi? Parce que sur source il était là, il niquait des mers. Ici c'est ticket ou city ou ticket boost ou Carrigan. Voilà, Carrigan aussi, s'il était tout le temps là. Porte, cette pause, porte. Un mec qui se met là, il se cache de l'appart, il prend en ligne casser la panta. Ici c'est porte, il y a Flammy qui se met tout le temps là par exemple. Là c'est balcon, balcony, anglais, français, ça se comprend. Là c'est A Palace ou Palace en A, en Palace tout court, on va le comprendre aussi en français. Sinon c'est Aparta. Premier pilier, deuxième pilier, troisième pilier pour donner de la com ici. Escalier, T-spawn, A-ramp, A-slope en anglais pour la panta. Voilà, panta ici. Donc A-ramp, A-slope pour l'anglais. Mid connector, underpass, top mid, mid. Qu'est-ce qui me manque? On a tout fait. Hein. On a fait le tour de toute la map là, c'est cool. Ouais, voilà, c'est cool. Voilà, quand les mecs vous font une CPLA, vous dites A-Tactics en anglais, A-Smoke, they are doing an A-Smoke, ouais, des trucs comme ça pour vous aider un peu sur la com. B-Rush, A-Rush, Box, retenez ce genre de trucs pour vous faire comprendre un peu en anglais si vous faites des trucs un peu solo en matchmaking, en face-it. Voilà mes cafardinos, je vous embrasse tous très fort. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Go me follow sur les réseaux sociaux à fond, Twitter, Facebook, abonnez-vous à la chaîne. Vous avez tous les liens en description, vraiment, faites cet effort. Merci beaucoup, bien évidemment on a monétisé YouTube. Donc c'est le moment de devenir riche. Je vous ferai des tours en Lamborghini, on n'oublie pas. On n'oublie pas, donc tout le monde désactive AdBlock, tout le monde regarde les pubs, on replay les pubs, on replay les playlists, let's go. Let's go mon cafardino si tu soutiens les malequinos. Allez bisous mes cafardinos, je vous embrasse.